Les députés du Palais Bourbon devront désormais s'habiller de manière convenable. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui gère le fonctionnement interne de l'institution, a même précisé que le port du short était interdit et la veste obligatoire pour les hommes. La tenue traditionnelle de nos députés en lava-lava bénéficie d'une dérogation. La présidente de l'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait de tenues de cérémonie en adéquation avec la solennité des lieux. Lucille Guichet a recueilli la réaction de Moëtta Ibroterson. Je vais continuer d'y aller en lava-lava et chemise polynésienne, donc ça ne me dérange pas. Je trouve ça tout de même un peu délicat, parce que là, on instaure une police de l'élégance. Donc on va avoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Alors la veste pour les hommes, mais quoi pour les dames? Est-ce qu'on peut venir avec une veste bariolée? Est-ce que c'est forcément une veste grise ou noire ou bleue? Je crois que c'est franchement des détails sur lesquels aujourd'hui, en 2022, on ne devrait pas s'attarder. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.